Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour passer avec moi aujourd'hui. Alors, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose ma version du baba au rhum exotique très gourmand. Alors, on va faire ensemble un baba qu'on imbibera d'un sirop exotique. Je vais essayer de vous donner des astuces si éventuellement vous voulez faire la recette sans alcool. Ensuite, sur ce baba au rhum, on disposera des bananes caramélisées flambées, un crémeux aux fruits de la passion, une ganache montée chocolat blanc vanille. Et bien sûr, on décorera le tout avec des fruits frais, ananas, mangue. Vous allez voir, il est vraiment très beau, très rafraîchissant, fruité pour cet été. Allez, c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, on commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une bonne dizaine de minutes. On prend ensuite la gousse de vanille, ici de la vanille de Madagascar que vous retrouverez comme d'habitude sur le site de David Vanille. On fend la gousse en deux sur la longueur. Ici, la vanille apportera des notes caramélisées, un petit peu cacaotées, légèrement fruitées à notre ganache montée. On gratte la gousse afin de bien récupérer tous les petits grains. Alors vous le voyez, elle doit être totalement vide. Puis dans une casserole, on verse la crème liquide, la crème de coco. On ajoute les grains de vanille. Ainsi que la gousse fendue en deux. Puis on porte le tout à ébullition. On retire ensuite la casserole du feu, puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange pour bien la faire fondre. Puis on verse la crème bouillante sur le chocolat blanc en pistole. On commence à mélanger à l'aide d'une maryse pour faire fondre le chocolat blanc dans la crème. Et on passe un petit peu au mixeur plongeant pour avoir une préparation complètement homogène. Voici ce que l'on doit obtenir. La préparation de la ganache montée est terminée. On réserve alors dans un récipient. Puis on couvre et on réserve minimum 4 heures au frigo. Il faudra que la crème soit bien froide pour le montage du gâteau, et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien la préparer la veille. On prépare ensuite le crémeux aux fruits de la passion. On réhydrate tout d'abord la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant une bonne dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse la purée de fruits de la passion. On porte à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on verse le sucre. On casse les deux œufs. Puis on fouette pour blanchir un petit peu. Puis quand la purée de fruits de la passion bout, on retire la casserole du feu et on verse sur la préparation œufs sucre. On mélange bien au fouet pour incorporer. Puis quand la préparation est bien homogène, on renverse le tout dans la casserole. Et on fait cuire sur feu moyen-doux jusqu'à épaississement de la crème et sans jamais cesser de mélanger.
Alors si vous avez un thermomètre, vous devez obtenir une température d'environ 85 degrés, mais ce n'est pas obligatoire. On retire ensuite la casserole du feu, puis on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange pour bien l'incorporer. Puis on réserve la crème dans le bol du mixeur. On attendra alors que la température atteigne les 36 degrés avant d'ajouter le beurre froid coupé en petits dés. Et on mixe jusqu'à l'obtention d'une crème homogène et bien onctueuse. Le crémeux passion est prêt, voici ce que l'on doit obtenir. On prend alors un moule demi-sphère en silicone et on y répartit le crémeux. Alors vous le voyez ici, je n'ai pas réparti le crémeux de manière uniforme dans les empreintes pour ensuite avoir des tailles de dôme différentes sur mon baba au rhum. On réserve ensuite minimum 3 heures au congélateur, et alors tout comme la ganache, sachez que vous pouvez très bien les préparer la veille. Et on prépare ensuite le glaçage qui nous permettra de recouvrir ces petits dômes à la passion. On réhydrate tout d'abord la gélatine en feuilles dans un grand bol d'eau froide pendant une bonne dizaine de minutes. Puis dans une casserole, on verse le jus de citron, l'eau et le sucre. On porte à ébullition pendant 2 minutes. Puis on retire la casserole du feu et on ajoute la gélatine bien essorée. On mélange pour la faire fondre et bien incorporer. Le glaçage est terminé. On le réserve alors dans un récipient. Puis on couvre et on met au frigo jusqu'au montage du gâteau. Et tout comme les préparations précédentes, il peut aussi se faire la veille. On prépare ensuite les bananes caramélisées et flambées au rhum. Alors on commence par couper les bananes en rondelles en les disposant dans une poêle. Puis on ajoute le jus de citron, les graines de la gousse de vanille, la gousse fendue en deux, puis la cassonade. Et le beurre coupé en petits dés. On fait chauffer le tout sur feu moyen doux. Quand les bananes commencent à compoter un petit peu du premier côté, on les retourne délicatement. Et on laisse caraméliser, le jus doit réduire un petit peu. Puis on retournera à nouveau les bananes, vous le voyez, elles doivent être dorées.
et on laisse caraméliser encore quelques minutes. Puis à la fin de la cuisson, quand les bananes sont caramélisées, on ajoute le rhum brun et on flambe à l'aide du chalumeau. Et alors si jamais vous voulez faire sans alcool, il faudra tout simplement sauter cette étape. On laisse sur le feu encore une petite minute avant de retirer la casserole. Puis on réserve les bananes sur un plat. On couvre de film alimentaire et on laisse complètement refroidir à température ambiante. Et on prépare ensuite la pâte à baba. Dans un bol, on commence par verser le lait tiède, alors il faut que sa température soit comprise entre 35 et 40 degrés, pas plus. Puis on ajoute la levure déshydratée. On mélange le tout pour bien la dissoudre. Puis on laisse reposer environ 10 minutes. Dans le bol du robot, on verse la farine et le sucre. On mélange. Puis on creuse un puits au centre. On y verse alors les 3 œufs. Ainsi que le mélange lait-levure. Puis on pétrit à l'aide du robot pendant une dizaine de minutes, jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse, homogène. Comme on peut le voir ici, je n'ai pas utilisé le pétrin du robot, mais plutôt la feuille. Puis quand la pâte est homogène, on ajoute le beurre bien mou coupé en petits dés à température ambiante. Et on continue de mélanger jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé. La pâte à baba est terminée. On la réserve alors dans un grand saladier. Puis on couvre et on laisse lever à température ambiante pendant environ 1h30 à 2h. La pâte doit doubler de volume. Après repos, la pâte a bien gonflé. On retire alors le film alimentaire. Puis on mélange la pâte afin de la dégazer et de chasser l'air. On prend ensuite un grand moule. Alors ici j'ai pris un moule avec un fond à relief qui me permettra de garnir mon baba au rhum au centre. Si besoin, je vous mettrai la référence en barre d'infos. On verse la pâte dans le moule préalablement beurré. On la répartit bien sur toute la surface. Puis on couvre et on laisse à nouveau lever la pâte pendant une bonne heure et demie. Après repos, la pâte a bien poussé, on retire alors le film alimentaire. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 25 à 30 minutes.
Et à la sortie du four, on démoulera sur une grille en retournant le baba et on laisse alors complètement refroidir. On prépare ensuite le sirop exotique qui nous permettra d'imbiber notre baba au rhum. On commence par récupérer les zestes des deux citrons verts dans un saladier. On met de côté. Puis on presse les citrons verts afin de récupérer le jus. Et on pèse à l'aide d'une balance afin de récupérer exactement 110 ml ou 110 g de jus de citron vert. Puis dans une casserole, on verse l'eau, le sucre, le jus de citron vert, le jus d'ananas, le jus de fruits de la passion, les zestes de citron vert, les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux. On porte le tout à ébullition. Et alors concernant les jus de fruits, essayez de prendre des jus 100% fruits sans sucre ajouté. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu. On ajoute alors le rhum blanc, ainsi que l'alcool pina colada. Si besoin, je vous mettrai la référence de cet alcool en barre d'infos. Et je mélange au mixeur plongeant pour avoir un sirop totalement homogène et bien séparer mes petits grains de vanille. Le sirop exotique est terminé. On va ensuite imbiber le baba avec le sirop assez généreusement. Alors personnellement, j'ai commencé au pinceau pour bien imbiber les bords du baba avant de verser directement le sirop au centre. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire des pauses pour bien laisser le baba s'imbiber de sirop, et il est important de l'imbiber avec un sirop chaud. Et si jamais vous voulez le faire sans alcool, c'est vraiment très simple, il faudra tout simplement remplacer les alcools par du jus d'ananas ou encore du jus de fruits de la passion, ou bien un mélange des deux. Pour ma part, je n'ai pas utilisé la totalité du sirop, il m'en restait environ 150 ml, mais vous pourrez l'utiliser quand vous servirez le baba au rhum. On badigeonne ensuite le baba au rhum avec soit du nappage neutre ou encore de la confiture d'abricot chaude pour faire briller. Puis on dépose les bananes caramélisées au centre du baba.
On reprend ensuite la ganache chocolat blanc vanille qui a reposé au frigo. Puis on verse dans un récipient. Et on fouette à l'aide du batteur pour obtenir une ganache montée. Elle doit être légère et mousseuse, attention de ne pas trop fouetter. La ganache montée chocolat blanc vanille est terminée. On la réserve alors dans une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm. Puis on poche la ganache autour des bananes caramélisées. On prend ensuite les petits dômes de crème passion que l'on démoule sur une grille. Puis on sort le glaçage du frigo que l'on fait fondre doucement au micro-ondes. Il faut qu'il soit à température ambiante environ 34 degrés. Et on glace les petits dômes congelés, c'est important car le glaçage va directement adhérer dessus. Voici ce que l'on doit obtenir. On dépose alors les petits dômes de crème passion sur les bananes caramélisées. Puis on dépose les fruits frais en commençant par des morceaux d'ananas que l'on met dans les espaces restants. On met également des petits dés de mangue. Puis on décore également avec quelques copeaux de noix de coco fraîches. Des quartiers de fruits de la passion. Et enfin, je saupoudre le bord de noix de coco râpées. Le baba au rhum est terminé, il faudra ensuite le mettre minimum 2 heures au frigo pour que les petits dômes décongèlent avant de le déguster. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous!
Le baba au rhum exotique est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. N'oubliez pas de me mentionner sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram également, ça me ferait super plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous.